Marlène Duret, vous nous annoncez un coup de vent en Bretagne. Et oui, entre 20h et minuit ce soir, ça va souffler fort le long du littoral atlantique et breton, et en particulier sur la pointe du Finistère, où les rafales peuvent atteindre les 110-120 km/h sur la côte et jusqu'à 100 dans les terres. Et c'est par la Bretagne que les prochaines pluies arriveront. Et oui, Raphaël, nouvelle perturbation, elle n'est pas très active. Elle va traverser un quart nord-ouest du pays demain. Elle va apporter d'abord des petites pluies fines, avant de laisser place l'après-midi à un régime d'averse accompagné de vent entre l'ouest des Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. La perturbation se sera décalée vers l'est en perdant un petit peu de son activité, donc le ciel restera quand même chargé en nuages depuis la frontière belge et luxembourgeoise au Poitou, en passant par l'Île-de-France, la Champagne, la Bourgogne et le Centre-Val de Loire. Notez que cette perturbation va se réactiver en cours de nuit suivante. Et puis dans le sud-est, retour des nuages et de la pluie autour du Golfe du Lion, jusqu'au relief des Cévennes où les pluies seront un petit peu plus marquées. Et puis ces nuages auront tendance à s'étaler vers la basse vallée du Rhône et l'ouest de la Provence. Partout ailleurs, un petit voile de nuages, plus ou moins épais d'ailleurs. Alors ça redevient doux en ce début de semaine. Oui, dans la mesure où on sera 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Comptez sur la moitié nord, 14 à 19 degrés demain, avec 14 à Rouen, 16 à Paris, 19 à Bourges et Besançon. Sur la moitié sud, il fera le plus souvent 18 à 22, 18 du côté de Montélimar, 19 à Limoges, 20 à Bordeaux, 22 à Toulouse et Marseille, et ça peut monter quand même jusqu'à 23 du côté d'Ajaccio. C'est bien noté, merci Marlène Duret. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur les couleurs du ciel à 23h sur Europe 1. À tout à l'heure Marlène.